Salut les amis, c'est ADR360, on se retrouve aujourd'hui pour le test du DLC JCB. Donc je vous représente encore une fois le contenu comme je l'ai fait dans ma précédente vidéo. Donc on a dans ce DLC trois véhicules destinés à charger, donc qui passent d'un tout petit, un mini chargeur compact à un beaucoup plus gros. Et on a aussi équipé de tracteurs, et bien entendu une chose que j'ai oublié de dire par rapport à ce petit chargeur-ci, c'est qu'il est équipé de ces 6 accessoires qui ne sont malheureusement compatibles qu'avec lui-même en fait. Les accessoires ne vont qu'avec celui-ci. Donc on va faire un petit tour, un bref petit tour dans l'ensemble de l'habitacle de chaque véhicule. Donc ici on est dans le JCB 260, donc voici l'intérieur qu'on peut avoir dans le JCB. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une cabine toute petite. J'ai aussi pris la peine de lever la pelle au maximum pour que vous vous rendiez compte de la portance que peut avoir le véhicule. Comme vous voyez, c'est pas très haut, hein. Je vais vous faire le petit test en vue intérieure pour vous montrer. Vous allez voir, on va même pas pouvoir vider directement dans l'épandeur. Il faudra absolument déplier la ridelle pour pouvoir y avoir accès. Maintenant, bon, on peut dire que c'est un handicap. Maintenant, rien ne nous empêche de pouvoir mettre une rampe, hein. Je tiens à le repréciser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet autre Bobcat? Je ferai des tests par après, donc avec chaque. Donc, je vais d'abord montrer l'habitacle de chaque véhicule. Hop, donc on passe à celui-ci. Donc on est ici dans le JCB TM320S. Donc, vous pouvez voir encore une fois l'extérieur. Franchement, au niveau de l'extérieur des véhicules, je les trouve, c'est standard, quoi. C'est, vous regardez un véhicule de base du jeu, c'est un petit poil, on va dire. Imaginons que les véhicules du jeu soient à 7 sur 10, et ici on est à, ouais, on est à 8 sur 10, je trouve. Donc ici, ça, c'est le télescopique articulé. Voilà, on a accès à l'intérieur, comme vous pouvez voir, je le trouve assez bien fini. Maintenant, ça pourrait être encore mieux. Mais ouais, non, c'est sympa comme véhicule, franchement. À ce niveau-là, je dois dire que je suis assez content de ce DLC. Maintenant, je tiens à préciser quand même qu'il faut aimer la marque JCB. Si vous n'aimez pas la marque JCB, alors arrêtez de regarder cette vidéo et n'achetez pas le pack. Parce que je pense que pour 10€, si on n'aime pas spécialement la marque, c'est pas, vous n'êtes pas gagnant. Maintenant, bon, chaque véhicule a son utilité, je trouve. Donc ça, c'était le TM 435S, pardon. Et on passe ensuite au 2 JCB, donc ici c'est le JCB 3230, voilà, je fais un petit tour aussi. Voilà, au niveau des détails, ouais, comme je le disais, c'est standard. Je trouve que les roues sont peut-être un peu étroites sur ce tracteur-ci, pourtant c'est quand même un tracteur de 200 chevaux, donc il y a quand même moyen de caser de la puissance dans les roues. Voilà la vue de face. La vue, non, ça c'est pas la vue intérieure du fast-track, hop, passons à côté, voilà. Donc la vue intérieure du fast-track, encore une fois bien sympathique. Voilà, on fait un peu le tour. Oui, je pense que les joysticks ne sont pas animés, ça c'est ce que j'avais déjà vu avant. Non, un habitacle bien fini. Dans les standards du jeu, on a un peu mieux, j'ai envie de dire. Ça c'est le 8310, c'est celui-ci. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour au niveau extérieur, je vais vous montrer donc ça, le petit Bobcat, ça j'ai montré un peu la portance qu'il avait. Ici c'est le 435. Oh là là, je me trompe. Le TM320S. Donc à ce niveau-ci, là vous êtes perdant sur le télescopique Liber, puisque lui, le télescopique Liber lève beaucoup plus haut. Il lève, je pense, 2 à 3 mètres plus haut. Étant donné que celui-ci, j'ai vérifié ses statistiques, il peut lever jusque 5 mètres. Et d'après les statistiques qu'on peut trouver sur le site JCB, il est censé lever à 5 mètres avec une charge de 3 tonnes. 3 tonnes 2, très exactement. Donc j'ai fait le tour, oui, ça j'ai montré. Au niveau de l'autre chargeur, je vous montre encore une fois qu'on a un peu plus de hauteur. Au niveau de ce chargeur-ci, donc du 435 et du 320, vous pouvez prendre les accessoires qui correspondent au véhicule du jeu. Donc par exemple, pour celui-ci, vous pourrez prendre les accessoires de celui-ci, vous pourrez aussi bien prendre la pince pour le bois, les fourches à palette, les godets. Au niveau donc de ce JCB ici, c'est la même chose. Par contre, je tiens à repréciser le petit 260 ici, lui, vous êtes obligé donc de prendre les accessoires fournis avec. Les autres accessoires ne sont malheureusement pas compatibles. Maintenant, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver en mode des accessoires qui sont compatibles pour tout, mais à charge revanche, j'ai envie de dire.
Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour au niveau esthétique, extérieur et intérieur, je vous propose de faire un petit tour en vue intérieure. Hop. Enfin, pas en vue intérieure, mais d'aller se promener un petit peu. On voit qu'ici, par exemple, il y a un rétroviseur central. Ça, je trouve ça particulièrement bien joué, bien pensé, tout simplement. Bon, en même temps, vous me direz, il y en a en général dans les petits chargeurs compacts comme celui-ci, hein. Moi-même, à la maison, j'ai un Bobcat. Qui est lui-même équipé d'une petite vitre à l'arrière. C'est vraiment très pratique pour ne pas avoir à se retourner. Comme vous pouvez le voir, les rétroviseurs sont bien positionnés. On voit bien au niveau de l'extérieur du véhicule. Donc, en vitesse maximale, celui-ci monte à 20 km/h. On va retirer la carte. Voilà. Il monte à 20 km/h. Donc ça, c'est sûr. Si vous voulez faire du déplacement avec, ça ne sera pas l'idéal. Par contre, si vous avez par exemple une map avec des animaux à curer, par exemple comme Belgique profonde, par exemple. Là, franchement, là, je trouve que il aura vraiment son utilité, c'est pour ça. C'est vraiment pour faire le petit valet de ferme, prendre un petit ballot, préparer la mélangeuse, curer. Ça, c'est vrai qu'il est vraiment bien pensé pour ça. Maintenant, je ne dis pas, hein, y a d'autres modes qui peuvent très bien compléter sans avoir à acheter le DLC. Mais bon, je donne un peu le justificatif de chaque véhicule. Dans l'ensemble, c'est vrai que 10 € ça reste cher, je le répète. Mais quand on décortique et qu'on voit les qualités de chaque véhicule, ben, on se rend compte que c'est pas forcément. Bon, ça reste toujours cher, mais on voit que ça reste quand même intéressant. Au niveau de finition, je le trouve vraiment sympathique. Et ça a été, avec les deux tracteurs, celui-ci, ça a été mon petit coup de cœur. Franchement, j'aime vraiment bien, j'ai déjà un peu manipulé avec. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas une très très haute portée, mais ça, c'est normal, hein. Vu le véhicule, c'est normal. Je pense que lui, il lève à 3 mètres maximum. Hein. J'ai oublié de vérifier les statistiques, par contre, pour celui-ci. On va passer maintenant donc au 320. Pour que vous fassiez une idée, hop, petit tour en cabine. Alors un truc que je vais beaucoup apprécier sur celui-ci, c'est comme chaque chargeur articulé, enfin un petit chargeur articulé, on peut voir qu'il y a du jeu au niveau de la partie avant du châssis. Et ça peut très bien se remarquer. Si vous regardez la flèche au niveau, vous voyez bien que de temps en temps, elle a tendance à se déporter, plutôt à s'incliner vers la gauche ou vers la droite. Moi, je trouve ça bien sympathique. Nerveux niveau conduite, ben, je le trouve assez rapide. Hein. Il accélère assez vite. Et monte à une vitesse de 40 km/h. Donc à ce niveau-ci, encore une fois, c'est bien sympathique. Mais bon, son atout serait été d'avoir une plus grande portée. Maintenant, bon, les développeurs du jeu ont bien pris les statistiques réelles du véhicule. Ils vont pas s'amuser à mettre un télescopique avec une portée de 10 mètres. En sachant que c'est un petit télescopique articulé, c'est pas la peine de lui mettre une flèche de 10 mètres. Croyez-moi que pour les gens qui ont l'habitude de manipuler ce genre d'engin, croyez-moi qu'à cette porte, à une hauteur de, une fois la flèche dépliée à son maximum, élevée au maximum, croyez-moi que c'est pas très très stable comme véhicule. Donc ça, à ce niveau-là, c'est normal. Ils sont dotés, oui, j'ai oublié de préciser ça. Les chargeuses sont équipées d'attaches à l'arrière, donc ça permettra de pouvoir attacher des petits véhicules, petites remorques à l'arrière. Celui-ci, ah non, pas celui-ci, ah, j'ai confondu avec un autre. Donc on a fait le tour avec celui-ci, donc je rappelle le petit Bobcat, enfin le Bobcat, on va dire le standard, on va dire c'est comme si vous disiez Bic ou Klaxon, c'est le même principe. Hein. Et donc je rappelle, donc celui-ci roule à 20 km/h. Et ces deux-ci, non, celui-là à 40 et celui-là à 50, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Hop, on va aller faire un petit tour d'ailleurs en route. Hop, voilà, vue intérieure. Hop là. On a baissé sa flèche. On voit que les rétroviseurs sont encore une fois bien situés. On va rouler à fond, on va accélérer. Hop, 40. Ouais, celui-ci roule bien à 50. Et j'ai été vérifié parce que je m'étais dit, ouais, ADR, un chargeur comme ça, hydrostatique, qui roule à 50 km/h, c'est pas possible. J'ai dit non, et j'en ai parlé d'ailleurs avec la team, ils m'ont dit non, c'est pas possible, c'est trop. Eh bien, figurez-vous que j'ai été voir donc encore une fois sur le site de JCB, et en fait, il est homologué pour rouler à 40, mais dans les pays où c'est autorisé, il peut rouler jusque 48, donc ils ont arrondi ici dans le jeu à 50 km/h. Peut-être caractéristique. On va dire encore une fois, son atout par rapport à son homologue Liber, c'est qu'il a une plus haute portée. Et il roule plus vite, plus nerveux. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Chaque véhicule aussi, j'ai oublié de préciser, chaque véhicule chargeur JCB est équipé de cette fameuse sonnerie de recul, klaxon de recul. Donc c'est un détail, c'est sympa. Moi, j'aime bien en tout cas. Et ouais, je refais peut-être le tour parce que celui-ci, j'ai peut-être pas pensé à le faire. Voilà.
Bon, on va passer maintenant au tracteur. Donc, je vais faire un petit tour de conduite sans équipement. Comme ça, vous vous rendez compte de ce que ça peut donner. Hop, là, on monte dans le 3000, le 3230. Qui est la finition apparemment XTRA, je ne sais pas à quoi exactement ça correspond. Alors il faut savoir que ces deux tracteurs-ci ont une conduite exemplaire. Franchement, à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai rarement. Dans le jeu, en tout cas, avec les véhicules de base, on n'a pas l'occasion d'avoir des véhicules qui sont très stables. Là, regardez, par exemple, je roule à 70, je vais prendre mon virage, hop, il a aucun problème pour virer, pour tourner. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas uniquement à vie qu'ils sont, ils sont stables. Ils sont aussi très très stables avec des remords. Mais ça, je vais pouvoir vous le montrer après. Donc, pour rappel, ce tracteur-ci est équipé d'un moteur de 230 chevaux. Assez standard, j'ai envie de dire, comme équipement. Il peut rouler à 70. Ça, c'est vrai que c'est une des qualités des tracteurs JCB, c'est pouvoir rouler à 70 km/h, 70 pour les Français. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut être fort intéressant sur des grandes maps, c'est... Ouais, non, c'est un atout. C'est clairement un atout. Maintenant, vous me direz n'importe quel mode, si on le modifie, on peut le mettre à 70. Mais bon, là, une fois, on va dire... Là, il est question surtout de réalisme. Donc maintenant, je vais monter dans le 8000. Voilà, hop, un petit tour dans le 8000. Donc ici, on voit un petit peu changement de motorisation. On va voir qu'il va accélérer jusqu'à 70 km/h très très rapidement. Encore une fois, celui-ci est tout aussi stable, si pas encore plus que son petit frère JCB. Donc on va tourner là, hop, voilà, pas de problème. Il tient bien au sol, regardez, il glisse pas. Son petit frère fera la même chose, hein, vous inquiétez pas. Vous pouvez foncer à 70 km/h et braquer d'un coup sec, hop. Vous regardez, il glisse pas. Hein. Il tient au sol. Hein. Donc ça, c'est vrai que les JCB sont reconnus pour être des très bons tracteurs routiers. Peut-être moins agricole, mais au moins routier, ça c'est vrai que c'est des tracteurs qui sont, bah, qui font leur force. Hein. C'est la force des JCB, c'est d'être très très stable au niveau routier, d'être très confortable aussi. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de faire comme je fais dans chaque concession agricole, c'est de pouvoir faire le petit test ici, voilà. C'est de faire ce petit test de montée pour que vous vous rendiez compte de la puissance. Donc là, j'ai équipé le petit 3230 d'une benne Flygle remplie. De blé et le 8000 lui a la crampe body 750. Donc on va monter, vous vous rendez compte ainsi s'il tire ou pas, s'il accroche bien au sol. Donc on va accélérer à partir d'ici au maximum et on va essayer de monter là-bas et faire son petit test d'accélération, de puissance et de freinage. J'espère qu'au passage vous avez apprécié le montage que j'ai fait en début de vidéo, mais en tout cas j'ai pris un petit peu de temps pour le faire. C'est ça que au départ je m'étais dit, ouais, je vais sortir ma vidéo plus vite. Et je pourrais ainsi sortir la vidéo plus vite, tout simplement. Puis je me suis dit non, essaye de faire quelque chose de vraiment bien construit. J'avais envie de faire un peu une sorte de trailer, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'ils n'ont pas fait de trailer pour la présentation pour ce DLC. Si, je m'attendais à ce qu'ils en fassent une. Et non, en fait, non, ils n'en ont pas fait. Bon, par contre, on voit vraiment que le tracteur, là, il galère à tirer la benne. En même temps, c'est vrai que les tracteurs de 200 chevaux, les équivalents en tracteurs standard du jeu... aurait les mêmes problèmes, hein. Vous mettez un SAM ou un New Holland T660 ou son cousin le CAS, CAS IH 160, aurait à peu près eu les mêmes problèmes. Donc ça, il faut rappeler que c'est un tracteur de 230 chevaux, hein. C'est pas non plus... Enfin, c'est vrai que c'est quand même une benne, on va dire, bien dimensionnée pour ce tracteur-ci. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'il est peut-être pas nerveux, mais c'est vrai que c'est quand même un tracteur de 230 chevaux, hein, je le rappelle. À ce niveau-là, voilà, donc on est arrivé au-dessus de cette pente. On va faire un petit demi-tour, comme je fais à chaque fois. Et on va tester les freins. Hop, on tourne ici. Voilà, on accélère à fond. Et à la fin du virage, on freine. Hop. Donc à ce niveau-ci, c'est vrai que les freins sont un peu mous, mais ça reste encore une fois dans les standards du jeu. Hein. Vous prenez n'importe quel tracteur, vous le faites freiner, et bien il va pas forcément freiner rapidement. Tandis que n'importe quel mode, lui, freinera à mon avis un peu plus sec. Maintenant bon, c'est une question de réalisme, ils essayent d'équilibrer en fonction du jeu. Et en parlant d'équilibre du jeu, si seulement tous les autres tracteurs pouvaient être aussi stables en route... en comportement routier que ces deux tracteurs-ci, franchement, ça serait superbe. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit tour avec la benne pour que vous vous rendiez compte
de ce que donne le comportement routier avec une benne, vous allez voir que le tracteur va être très très stable, et c'est la benne en fait qui va partir. Donc on va profiter du petit virage ici pour braquer d'un seul coup. Hop, regardez, le tracteur glisse. Bon là j'ai un peu accroché dans la maison aussi, mais vous avez vu que c'est la benne qui est partie, c'est pas le tracteur qui a glissé. Et ça je trouve... Bon à ce niveau là c'est vrai que c'est pas un comportement réaliste, parce que n'importe qui ferait un virage pareil avec une benne chargée comme ça... bon là bien sûr vous allez baigner la... vous allez cabaner la benne. Mais non, ici on va dire au comportement routier in-game, là c'est pas le tracteur qui glisse, c'est la benne. Donc ça à ce niveau là c'est quand même beaucoup plus pratique je trouve. Bon, on va en profiter pour... Ah, au passage, on entend le petit son d'air comprimé dans le tracteur. Hop, on va s'arrêter, on va prendre son grand frère. Hop, qui d'ailleurs est bien, bien badass avec ses grosses roues. Il en a un peu, quand même. Petite pensée au passage pour Minicrit qui m'a passé le mode... donc c'est Real Daylight. Qui est un mode qui adoucit les couleurs... et les ombres du jeu, donc je trouve que ça rentre très bien. Donc si vous vous rendez compte, ben vous verrez que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs que de base. Donc cette fois-ci on va faire le même test avec le 8000, et là où normalement il va s'en sortir un petit peu mieux, étant donné qu'il a un peu plus de réserve sous le coude. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Ah, je vais parler un peu vite. Ah, il galère, hein. Il galère. Il tire quand même, hein, parce que j'ai déjà tester certains tracteurs qui ici n'arrivent pas à monter, en général ils patinaient et puis ils avaient tendance à glisser. Je sais bien par exemple que les T8 équipés avec cette benne là par exemple auraient du mal à monter, ce qui n'est pas le cas du JCB ici. Donc on va dire ici il a un peu plus d'adhérence que les autres tracteurs. Et au niveau des freins, ben là ce sera encore une fois la même chose que son petit frère, il aura normalement le même frein, mais je vais quand même faire le test pour que vous vous rendiez bien compte in game de ce que ça donne. On va faire un petit peu de tuyau intérieur d'ailleurs au passage. Donc 7, il montait jusqu'à 7. Je pense qu'il n'y a pas d'autres cadrans animés. Ah d'ailleurs, au passage, il y a un petit marteau à vitre là. Donc on va faire notre petit demi-tour ici. Hop. En parlant du JCB, c'est vrai que, encore une fois, c'est une caractéristique des JCB. Ils n'ont pas un très très bon angle de braquage. Maintenant, ça dépend un peu des séries. Hop, je vais freiner. Hop. Et encore une fois, vous voyez que c'est un peu juste. Voilà. C'est vrai que c'est cela, je dois dire, pour cette montée. Franchement, c'est le bon test pour tester la performance de traction, d'adhérence et de puissance des tracteurs. Bon, on va passer maintenant. On va maintenant passer. Donc maintenant on va passer sur le test au niveau champ. Donc si je dis pas de bêtises, il faut que je réfléchisse où j'ai mis mes véhicules moi. Donc ça c'est déjà fait, ça c'est testé, ah c'est là-bas. Donc je vais vous montrer le 3000 donc avec un cultivateur Vadesta sur un champ incliné. Vous voyez que le tracteur tire, il a de bonnes performances encore une fois. Il ralentit pas de trop. Bon franchement il tire bien, il fait son taf. On va passer maintenant sur le 8000 et après je vais m'occuper de tester avec la charrue pour voir si le tracteur glisse ou pas. En même temps, j'ai équipé les tracteurs en conséquence. Hein. J'ai pas mis des petits cultivateurs pour montrer que oui, ça tire bien alors que c'est des petites machines. Non, là non, j'ai quand même mis des grosses machines. Là, c'est un Horsch 10 mètres qui est normalement réservé à des tracteurs de 400 chevaux. Et le Vaderstadt lui est réservé à des tracteurs de 200 chevaux et plus, donc là c'est bien bien dimensionné. Bon, je vais récupérer donc le 3000. C'est vrai que dans le pack, c'est vrai qu'il y a un truc qui aurait manqué, ce serait peut-être bien un troisième tracteur, ce qui serait de la série 4000. La série 4000 chez JCB est particulièrement belle, bien réussie. Et à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un peu dommage de pas avoir pu en profiter. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, normalement la série 4000 est équipée de base de 4 roues directionnelles. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, pour des travaux de champ, là c'est vraiment, ça aurait été vraiment intéressant. Donc je vais en profiter pour passer la charrue. Et là vous voyez que le tracteur ne part pas sur le côté. Donc on va faire le test de biais pour voir, pour que vous voyez, hop. Et il ne va pas glisser. Donc à ce niveau-là, bon il faut dire ça dépend aussi des champs, ça dépend des conditions. Mais là, pour le moment, il n'y a pas de problème. Donc, on va relever la charrue.
Je vais l'équiper sur le 8000. Et après, je terminerai ma vidéo par une démonstration du petit Bobcat. D'abord avec la dessoucheuse, parce que la dessoucheuse, j'ai trouvé une utilité fort intéressante. On peut avoir une très bonne... enfin, vous aurez une très bonne surprise tout à l'heure. Donc, je vais équiper le 8000 donc de la charrue. Là, il va vraiment avoir pas de problème. Il va se promener avec la charrue, d'ailleurs. Hop, voilà. Voilà, hop, on tire. Là, encore une fois, il reste droit. Pas de problème. Je tiens à dire que je ne tiens même pas le volant. Hein. Le volant reste totalement droit. Bon, maintenant passons au petit Bobcat qui est ici. Donc je vais monter dans le man. Donc là vous avez, je pense, si je ne dis pas de bêtises, tous les équipements. Donc il y a le godet, la fourche à ballot, qui malheureusement bon, bah, ne fonctionne comme n'importe quelle fourche à ballot du jeu de base. C'est-à-dire que c'est un peu buggé, mais ça va. La fourche à palette ici. Donc ça c'est tous les accessoires pour celui-ci. Hein. N'essayez pas de les mettre sur un autre tracteur, ça ne fonctionnera pas. Vous avez ici une pince à fumier qui a une capacité de 1200 si je ne dis pas de bêtises. Ici vous avez une pince à bois et là au-dessus vous avez une dessoucheuse. Et dernière chose à préciser peut-être sur le bac, c'est je pense que lui a une capacité de 3000 à vérifier. Alors je vais vous montrer la dessoucheuse et après je vais changer de map pour pouvoir vous montrer la capacité du godet sur Belgique profonde. Donc, je vais me passer en vue caméra, je vais monter la dessoucheuse, je vais la mettre en route. Bon, franchement, je veux dire, pour faire des films et tout ça, ça devrait être bien sympathique. Parce qu'on pourrait découper des gens avec ce truc. Bon, par contre, je vais essayer de faire ce que je peux parce qu'on voit pas très très bien. Non, là, j'arrive pas à prendre dedans. Ah, là. Donc, je rappelle que... Ah, voilà. Là, elle est inclinable. Je rappelle que la dessoucheuse est inclinable comme la dessoucheuse de base du jeu. Et un truc qui peut être très très bien... C'est de se dire, ouais, tu peux découper et élaguer des arbres avec. Bon, c'est vrai que c'est pas une très très haute... C'est pas très très haut, ça c'est vrai. Mais je trouve que ça peut être sympathique. Imaginez-vous une prairie avec un arbre en bordure de champ. Et ben voilà, votre cabine prend dedans. Ou vous trouvez que c'est gênant d'avoir une branche là, ben hop, vous pouvez la couper directement comme ceci. Je trouve ça bien sympathique, très drôle. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que bizarrement, je sais pas pourquoi ça coupe horizontalement. J'avais fait un test l'autre fois et j'avais pas eu ce problème là. C'est bizarre. On va maintenant passer... Donc j'ai fait tous les tests, oui. On va maintenant repasser sur le petit 260 et sur une autre map. Donc nous revoilà maintenant sur la map Belgique profonde pour vous faire un petit test de les capacités de... le chargement de ce petit 260, parce que bon, les deux autres véhicules n'ont vraiment pas de problème. Ils ont un comportement égal aux autres tracteurs du jeu. Mais là, étant donné que c'est un petit véhicule, on peut se dire, ouais, mais il va pas être très stable. Il va pas être très stable, il va pas pouvoir lever grand chose. Et là, je tenais à vous montrer. Donc, on est sur Belgique profonde. V2, on a un épandeur Stoutman avec la ridelle sur BC. Et là, je vais vous montrer les capacités de ce Bobcat. Donc, vous voyez qu'il a son godet, n'a pas 3000, mais bien 1700. En capacité, et vous pouvez regarder au niveau stabilité, je trouve qu'il faut forcer pour le faire partir. Donc à ce niveau là je le trouve stable, il reste stable quand même. Donc hop, on vide et vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai qu'il est un peu court sur pattes, mais on peut très bien trouver des rampes, en mode, il y a des rampes, des modes plaçables en rampe pour faire ça. D'ailleurs, j'ai vu, je pense, une vidéo de présentation de ce DLC-ci, et il faisait justement un petit plan séquence où on voyait justement qu'il chargeait à l'aide d'une rampe. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc la capacité, comme je l'ai dit, de 1700, et comme vous pouvez le voir, c'est très stable. Franchement, c'est un petit véhicule qui pourrait être sympa. En plus, moi je le trouve fort utile, c'est pour aller curer. Donc déjà, regardez, là je braque à fond, là, franchement ça tombe super cool. À ce niveau-là, au niveau polyvalence et maniabilité, là, c'est vraiment nickel. Et on peut, par exemple, ici, venir curer dans les petits cochons. Voilà. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Faudrait peut-être regarder s'il n'y a pas moyen d'avoir en mode une petite décileuse. Et là, franchement, ce serait le top. Là, il manquerait plus que ça. Une petite décileuse, ce serait vraiment le top. Donc, là, j'ai fait le tour du DLC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
Si vous avez apprécié cette vidéo, ben, pensez à mettre un j'aime. Et ben, comme verdict final, je pourrais donner... Eh bien, si vous appréciez la marque JCB et si vous trouvez que les avantages et utilités de chaque véhicule que j'ai démontré dans la vidéo sont suffisantes que pour débourser 10€ et donc acheter ce DLC, alors faites-le. Si pas, il y a moyen de trouver ça en mod, ça c'est vrai que c'est un argument que tout le monde peut trouver. Bon, en général, les mods, enfin les DLC peuvent être remplacés par des mods. Donc bon, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, bah achetez-le. Franchement, c'est un petit pack sympa. Maintenant, ça reste cher. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Donc, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. C'était ADR360, salut!